Qui est René Laloux pour la grande histoire, c'est, si on veut le faire simple, c'est le seul réalisateur de films d'animation pour adultes et de science-fiction en France. C'est-à-dire que, en tout cas pendant des années, il a eu ce statut-là, il n'avait pas d'autre. Et surtout, c'est un pionnier, puisque en fait, l'animation en France, à l'époque où René Laloux a sorti La Planète Sauvage, donc son premier long-métrage, on était en 1973, à cette époque-là, il n'y avait eu qu'un film d'animation français, long-métrage, hein, je parle. C'était La Bergère et le Ramoneur, qui est devenu Le Roi et l'Oiseau, de Paul Grimaud. Voilà. C'était le seul. Donc Laloux est arrivé juste après, en voulant se démarquer, en plus en faisant pas du conte ou des choses un peu comme ça, grand public, mais en visant vraiment un public plus adulte, en prenant de la science-fiction, qui était dans les années 70 quand même un thème plutôt à la mode, au cinéma, en littérature, mais en dessin animé finalement, ça a été un précurseur. Alors je parle de la France, mais en fait on pourrait parler du monde entier, parce que des gens comme Gonagai, enfin d'autres, toute une génération, je dirais, de cinéastes d'animation japonais se sont inspirés de La Planète Sauvage, parce que c'est en voyant La Planète Sauvage, en tout cas c'est ce qu'ils disent souvent, qu'ils se sont dit, mais oui, on peut faire de l'animation, on peut faire autre chose, on peut faire de l'animation et de la science-fiction, on peut faire autre chose que du Disney, en gros, que des contes gentillés pour enfants. Et quelqu'un comme Isao Takahata ou Miyazaki étaient très amis tous les deux avec René Laloux, l'ont invité plusieurs fois au Japon. Et au Japon, René Laloux est très connu. La première de sortie en DVD, si je dis pas de bêtises, de son film Gandahar, c'était au Japon. Donc il y a toute une culture comme ça qui a franchi les frontières, et on dit souvent que nul n'est prophète en son pays, donc en fait finalement René Laloux est plus connu au Japon et même aux États-Unis qu'en France. Le parcours de René Laloux, c'est le parcours d'un homme assez lambda, dans la mesure où il n'était pas destiné particulièrement à faire du cinéma, en fait. Il est venu sur le tard au cinéma, et de façon très amusante, j'allais dire, mais en tout cas originale. Donc pour revenir sur le personnage, il est né au début des années 30, enfin en 1929 je crois exactement, et il a un parcours très intéressé par l'art, on va dire, mais il n'en faisait, c'était pas son métier. Il a fait plein de petits boulots, c'était un monsieur, je dirais, assez lettré, très cultivé, qui lisait beaucoup, plein de choses, qui s'intéressait à plein de choses, à la peinture, mais je dirais vraiment à l'art quand même en général. Et un jour, voilà, dans les années 50, à la fin des années 50, il se retrouve moniteur dans une clinique qui existe toujours d'ailleurs, la clinique antipsychiatrique de Laborde, qui est une clinique pour malades psychiatriques, hein, malades mentaux, qui avait des techniques très particulières dans la mesure où on laissait les malades s'exprimer, notamment par le biais d'activités artistiques. Donc ça pouvait être du dessin, de la peinture, des films. Et Laloux était moniteur à cette époque-là et a proposé de faire de l'animation, du dessin animé, donc, avec des volontaires sur place. Donc ça donnait un film très très particulier, un court-métrage, hein, qui s'appelle Les Dents du Singe, donc écrit par les malades, dessiné par les malades. Alors animé, je pense quand même qu'il y avait quelqu'un qui leur a donné un coup de main pour faire l'animation. Et puis Laloux était un peu le chef d'orchestre de tout ça, il chapeautait tout le monde. Et ça donnait un truc, donc encore une fois, très étrange, et qui a eu un vrai intérêt, enfin, c'est-à-dire qui a dépassé largement le cadre de la clinique et qui a été projeté, je crois qu'il a été diffusé à la télévision, il a été projeté en festival. Et un jour, un certain Roland Topor, donc, qui était un artiste déjà assez réputé à l'époque, hein, un graphiste et aussi un écrivain, a vu ce court-métrage et a dit « Mais c'est complètement bizarre ce truc, c'est vrai que le film est très dérangeant, il est étrange. » Qui est l'auteur de ce film? Et donc il a rencontré René Laloux à cette occasion. Ils ont sympathisé et ça a donné, des années après, La Planète Sauvage. C'est-à-dire deux personnes qui, comme ça, voilà, avaient rien en commun, hein, à part je dirais l'amour du dessin, hein, se sont rencontrés comme ça par le biais de ce court-métrage. Donc il y a, je dirais, une grande part de hasard dans la carrière de René Laloux. Mais voilà, mais elle devient professionnelle à partir, je dirais, peut-être pas de La Planète Sauvage, mais du court-métrage qu'ils ont fait ensemble avant. Topor et Laloux ont fait un court-métrage qui s'appelait Les Escargots. Qui était du fantastique en dessin animé, qui était déjà quelque chose d'assez curieux à l'époque, et qui, dans un second temps, a donné donc le premier long métrage de science-fiction français, avec Topor au dessin et Laloux à la réalisation, qui était La Planète Sauvage. Puisque, en gros, comme ils avaient eu un certain succès, Topor et lui, avec le court-métrage Les Escargots, leurs producteurs leur ont dit, bah, c'est pas mal de faire un long métrage, quoi, un vrai film qui va pouvoir être vu par le grand public, etc. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait raconter? La Planète Sauvage, c'est pas venu comme ça, quoi. C'est-à-dire que le sujet, à une époque, ils ont même voulu adapter Gargantua de Rabelais.
Donc ça aurait pu être Gargantua. Donc là, où, à l'heure où on parle, il pourrait ne pas y avoir la planète sauvage. Ça a été le hasard. En fait, ça a été la planète sauvage parce que Topor et Lalou étaient fans de science-fiction et lisaient notamment les romans d'un auteur français qui a pour pseudo Stéphane Vull, voilà, et qui a écrit un roman dans les années 50 qui s'appelle Homme sans série. Donc c'est grosso modo l'histoire de la planète sauvage, mais disons qu'elle a été revue et corrigée à la sauce Topor et avec Lalou derrière tout ça. Ils ont fait de ce roman quelque chose de très personnel, qui c'est amusant d'ailleurs de comparer le roman au film. C'est la même histoire, mais c'est pas la même chose. C'est assez intéressant de voir c'est les différences qui existent. Bon, tout ça pour dire que ce qui a vraiment marqué, je pense, donc d'une part, c'est la thématique SF, science-fiction, dans l'animation, et c'est le graphisme, parce que le graphisme de Topor, c'est on est proche de la gravure, je dirais. Hein. Il y a des hachures, ça ressemble à de la peinture, beaucoup plus, je dirais, que ce qu'on voyait à l'époque, notamment chez Disney. Et ça, c'était la posture de départ de Topor et Lalou, c'était on veut faire de l'anti-Disney. On veut pas faire de trucs mièvres, on veut pas faire de trucs pour enfants. Pas de trucs commerciaux. Voilà, on veut pas faire du commercial et on veut pas aller vers la facilité. Même si, curieusement, quand on parlait avec Lalou, il fallait un temps, mais au bout d'un moment, il admettait quand même que c'était quand même bien fichu, Disney. Il fallait quand même admettre qu'il y avait un vrai savoir-faire. Et surtout au début, je veux dire, quand on voit les Pinocchio, Blanche-Neige, c'était incroyable. Et puis voilà, c'est quand même un film qui est assez violent, qui est dur, quoi. Hein, puisqu'en gros, ça raconte l'histoire des humains qui sont réduits en esclavage par une race de géants, bleus à la peau bleue et aux yeux rouges, qui s'appellent les Drags. Et qui en fait, depuis des générations, utilisent les humains comme des petits jouets ou des petits animaux de compagnie. Et le film débute avec la naissance d'un petit bonhomme qui s'appelle Terre et qui va être le leader de la révolution des hommes qui vont en gros s'émanciper de l'oppression des Drax. Donc c'est vraiment un thème politique, c'est assez, assez riche, quoi. Et quelque part d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un peu la même thématique que La planète des singes, qui a été fait à peu près à la même époque. Alors je parle pas du livre, hein, je parle du film, premier film en 1968, des hommes qui sont réduits comme ça à l'état d'animaux et qui finalement redeviennent des hommes en prouvant qu'ils ont une intelligence, qu'ils ont une valeur. C'est des thèmes très, enfin, vraiment assez à la fois universel et puis encore une fois politique et fort, quoi. Donc c'est ça, je pense, qui a marqué les gens, entre autres, pour La planète sauvage. Après La planète sauvage, Lalou a rebondi difficilement, parce qu'en fait, il s'est écoulé presque 10 ans entre La planète sauvage et Les Maîtres du Temps, son second long métrage, puisque c'est La planète sauvage, c'était en 1973, Les Maîtres du Temps en 1981, mais je crois que c'est sorti en 82. Et là, je dirais pas que ça a été une traversée du désert, mais il pensait que ça allait marcher, faire d'autres films comme La planète sauvage, et ça n'a pas été si simple, parce que finalement, en gros, on lui disait, ouais, mais La planète sauvage, c'est un peu le film de Topor. Et voilà, enfin, c'est dessiné par Topor, René Lalou, il dessine pas. Donc pourquoi, enfin, il a souffert de ça finalement, c'est-à-dire que ça l'a aidé quand le film est sorti, mais après, on a dit, bon voilà, c'est le film de Topor. Donc il dit, ok, donc je retravaille pas avec Topor, d'autant que Topor avait pas envie de retravailler, non pas qu'il s'était brouillé, mais pour lui l'animation c'était trop lent, trop long. Topor, il voulait faire 1000 trucs, quoi, et partir 3 ans sur un film d'animation, parce que c'est très long à faire, ça l'intéressait pas. Donc ils sont passés à autre chose, enfin lui est passé à autre chose, Topor, et Lalou lui a continué, mais il s'est dit, bah je vais m'associer avec d'autres dessinateurs. Et c'est l'époque où il s'est rapproché du magazine très célèbre Metal Hurlant, qui était un vivier de dessinateurs comme ça, et qui tournait là aussi avec pour intérêt commun la science-fiction. Et là, Lalou s'est vite dit, tiens, je vais essayer de faire plusieurs films à chaque fois, avec une thématique différente de science-fiction, un roman différent, parce qu'à chaque fois il adaptait un roman, et un dessinateur différent. Et le premier film qu'il est parvenu à faire après La Planète, donc en 1981-82, c'est Les Maîtres du Temps avec Moebius, Jean Giraud, alias Moebius, qui était le dessinateur star de Metal Hurlant. Donc cette rencontre Lalou-Moebius, elle était vraiment fascinante. On se disait, qu'est-ce que ça va donner? Ça a donné Les Maîtres du Temps, donc. Et ça a donné une certaine déception quand le film est sorti. Non pas au niveau de l'histoire, qui est vraiment super, je trouve qu'elle est très poétique, c'est pas mal, surtout pour l'époque, il y a un paradoxe temporel, apparemment le grand truc c'était de dire qu'à l'époque les parents ne comprenaient pas la fin du film, mais les enfants la comprenaient, donc c'était plutôt rigolo. Mais c'est surtout graphiquement que ça a été un peu une déception, parce qu'on retrouvait le graphisme de Moebius, mais l'animation, enfin il aurait fallu plus d'argent en gros, l'animation n'était pas à la hauteur. Et je pense que le premier à être déçu, ça a été justement Moebius.
Parce que quelque part, avec un dessin aussi dépouillé, parce que c'est quand même un graphisme très, très simple, hein, génial, hein, mais simple, donc qui pourrait s'animer facilement, bah finalement c'est pas trop ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont super bien, qui bougent très bien, puis d'autres choses qui sont très figées. Bon voilà, hein, pour en avoir longuement parlé avec Lalou, c'est vraiment un manque d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont été faire ça en Hongrie parce qu'ils n'ont pas pu le faire en France. Non pas que les Hongrois étaient mauvais, mais ils étaient soit débutants, soit mal payés. Bon voilà, enfin, je veux dire, l'animation, c'est quelque chose qui nécessite du temps et de l'argent. Et 10 ans après, donc, le troisième film de René Lalou, en 1987, à peu près 10 ans, enfin moins, mais j'ai tendance à dire que Lalou fait un film tous les 10 ans, quoi. La planète. Terrence Malick. Voilà, c'est ça, comme Terrence Malick, ils prennent leur temps. Alors, je sais pas si c'est pour les mêmes raisons, mais disons que Lalou, je pense que s'il avait pu en faire plus, il en aurait fait plus. Hein. Et donc, dans les années, à la fin des années 80, il arrive à monter Gandhar. Alors, cette fois, c'est pas d'après un roman de Stéphane Vull, mais c'est d'après un roman de Jean-Pierre Andrevon, qui est un auteur français de science-fiction. C'était un peu toujours l'idée de Lalou, hein. Partir d'un roman, si possible, français, c'est pas par chauvinisme, mais il trouvait que c'était intéressant, puisque les Américains adaptaient les romans américains, pourquoi pas adapter nos romans à nous, et de les mettre en image comme ça, et de croiser, il était à la croisée de plein de trucs, quoi, de la littérature, du dessin animé, hein, de l'animation, et plus largement de la SF, parce que finalement, souvent, on retrouve La Planète Sauvage classée dans. Quand il y a un bouquin qui sort sur les films cultes de SF, bah souvent il n'y a qu'un film d'animation, c'est La Planète. Alors maintenant il y en a peut-être plus, parce que je pense qu'on cite effectivement des Akira et autres, mais disons que pendant des années, hein, jusqu'aux années 90, il n'y avait que ça. Il n'y avait que La Planète Sauvage et les films suivants de Lalou. D'où cette espèce de côté culte. Qui ont été, voilà, qui c'est le côté culte qui s'est développé autour des films de Lalou, parce que même s'ils étaient souvent à moitié aboutis, artistiquement parlant, hein, pour des raisons, encore une fois, budgétaires, ou de manque de budget, c'était tellement atypique que les gens en parlaient, même souvent sans en avoir vu, mais tout le monde en avait un peu entendu parler. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut pour découvrir ou redécouvrir comme ça des gens qui ont été des chaînons, ouais, une sorte de chaînon manquant, quoi, entre, je dirais, une espèce de un Méliès, par exemple, hein, qui était quand même quelqu'un qui faisait de la science-fiction avant l'heure, et un Avatar réalisé par James Cameron aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre les deux, on a vraiment l'univers de René Lalou. Il est entre les deux, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il est un peu suranné, comme ça, un peu vieillot, le côté un peu... l'effort qu'il faut faire quand on va regarder des films un peu, je dirais... Oui, comme des films de Méliès, hein, ou vraiment. Mais en même temps, c'est très satisfaisant parce qu'on se rend compte que c'est super riche. Et puis, en même temps, quand on voit les personnages d'Avatar et qu'on voit les personnages de La Planète Sauvage, je veux dire, clairement, voilà, il y a une filiation. Et de toute façon, elle existe. Hein, le nombre de réalisateurs, même des réalisateurs autres que des réalisateurs d'animation, qui adulent La Planète Sauvage, c'est assez surprenant. Hein. Et en plus, une chose que j'ai pas précisé, en plus, La Planète Sauvage avait quand même remporté le prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1973. Et ça a été incroyable parce que c'était le premier film à être présenté, premier film d'animation à être présenté déjà au festival. Et puis, je crois que c'était le premier film d'animation à être primé de l'histoire du cinéma. Donc, c'était quand même quelque chose de très, très nouveau. Et du coup, les gens sont allés le voir parce qu'il y a eu un bouche à oreille, comme ça se passe souvent à Cannes. Hein. Les gens en parlent. C'était un ovni, une espèce de truc bizarre. D'où ça sort? Qui c'est ce Lalou? Qu'est-ce que c'est que ce film? Et d'ailleurs, pour l'anecdote, donc, c'est Roger Corman, qui est un producteur et réalisateur célèbre, qui a révélé des tas de réalisateurs hyper connus aujourd'hui, hein, qui a distribué La Planète Sauvage aux États-Unis dans les années 70. C'est-à-dire que lui, il était à Cannes, il a vu le film, il a dit « Waouh !» Et donc, c'était Fantastic Planet, hein, le titre américain, et le film est culte là-bas. René Lalou, en fait, il s'est battu toute sa vie. Bon, c'était pas. Il faut aussi parler du caractère de René Lalou. René Lalou, c'était un petit bonhomme rond qui fumait des cigares qui puaient, c'était une infection, qui parlait beaucoup de bouffe, qui riait très fort. Et c'était plutôt sympa parce qu'il y a vraiment un truc très. Je parlais de Rabelais au début, hein, puisqu'il voulait adapter Rabelais, ça m'étonne pas finalement, et ça m'étonne pas aussi qu'il ait été aussi copain avec Topor, qui était quand même quelqu'un aussi très, comme ça, un peu grivois, bon vivant. Et donc il y avait ce côté-là. Et puis le revers de la médaille de ce côté-là, c'est que c'était un sale caractère. C'est-à-dire qu'il faut dire ce qui est, c'est-à-dire qu'il piquait des colères tout le temps, il se sentait souvent agressé. Alors, à tort ou à raison, je dirais souvent à raison, parce qu'il a pas fait que des bonnes rencontres, c'est-à-dire que
Par exemple, on parlait du fait qu'il bénéficiait de l'aura de dessinateurs plus célèbres que lui. Ben, je me souviens d'un truc qui l'avait profondément blessé à la sortie de, je crois qu'à l'époque c'était la VHS, un des maîtres du temps. Quand il avait reçu la VHS chez lui, il y avait un sticker collé sur la boîte, c'est marqué « Le film de Moebius ». Ce qui était quand même un peu blessant, puisque bon, ok, ouais. Moebius l'avait dessiné, mais René Laloux, c'est lui qui avait, voilà, qui avait tout supervisé, qui s'était battu, qui était allé en Hongrie pendant 2 ou 3 ans pour faire le film. Voilà, c'était, il aurait dû marquer les deux, mais on peut comprendre aussi que dans un souci de promo, de vente, bah, c'est plus vendeur de mettre Moebius que de mettre le nom de Laloux. Mais voilà, en tout cas, il a souffert de ça toute sa vie, donc... sachant qu'il mettait presque 10 ans pour faire un film, au bout d'un moment, je pense qu'il a commencé à fatiguer un peu. Hein. Alors, sur ces dernières années, il est parti, il a déménagé à Angoulême, et il enseignait, en fait, au centre de la bande dessinée et de l'image. Alors, c'était ça qui était intéressant chez Laloux aussi, c'est qu'il aimait transmettre. Donc, il enseignait aux jeunes, lui qui n'était pas du tout technicien, c'était pas un technicien Laloux, mais il allait voir des étudiants en image de synthèse. Hein. Il enseignait, alors c'était ses termes à lui, l'art d'humaniser l'image de synthèse. Je trouvais que le terme était plutôt sympa, c'est-à-dire qu'en gros, bon les gars, c'est bien de maîtriser la technique, c'est super, mais il faut avoir quelque chose à dire et il faut surtout essayer de développer une patte qui voilà, à soi, un espèce de style et faire que chaque film est différent. Parce que si c'est pour faire que tous les films ressemblent à des bandes démo ou des trucs, bon quelque part lui ça n'intéressait pas et il dit c'est vous, enfin même si vous n'êtes pas des auteurs à part entière, il faut que vous soyez sensibilisé au contenu, pas juste à la forme, quoi. Le fond est aussi important que la forme. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Donc il a fait ça pendant quelques années, puis moi, je me rappelle d'un coup de fil que j'avais reçu un matin. En gros, voilà, on l'avait retrouvé mort chez lui d'un infarctus. Il vivait assez seul, hein. il avait ni femme ni enfant. Mais disons que jusqu'à la fin de sa vie, il aura développé sa passion, quoi. Il avait des projets, des choses qui n'ont pas abouti, mais il en a eu... Enfin, des projets de René Laloux non aboutis, il y en a eu, je sais pas, des vingtaines, mais comme plein d'artistes. Hein. Ouais. Donc voilà, donc quelque part, c'est un peu doux amer quoi, l'histoire de René Laloux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a marqué son époque, qui a créé un précédent, qui a ouvert des portes pour d'autres derrière, puisque finalement, au bout d'un moment, c'était commun de voir de la science-fiction en animation, hein, notamment via le Japon, mais via les Américains aussi. Je dirais que si Akira existe, d'une certaine façon, c'est plus compliqué que ça, puisque c'était un manga au départ, hein. Mais d'une certaine façon, c'est parce qu'il y a eu les films de Laloux. La devise de René Laloux, notamment dans les dernières années de sa vie, c'était « Le vrai cinéma, c'est l'animation ». Pour moi, c'est une forme de provocation. C'est une façon de dire « L'animation a longtemps été méprisée, cantonnée aux enfants, uniquement ». Et ça, Laloux, ça le mettait en colère, en gros. C'est-à-dire que pour lui, non, l'animation, c'était un moyen comme un autre de raconter des histoires. Et je dirais que l'avenir, enfin la suite des événements, a parlé en sa faveur, puisque quand on voit le cinéma d'animation japonais, et la façon dont il peut s'adresser aux enfants, mais aussi aux adultes, ou même ce que font les Américains de Pixar aujourd'hui, qui arrivent à toucher un public très très large, voilà, c'est vraiment ce dont Laloux rêvait. Sauf qu'au départ, je dirais, au moment où lui faisait ses films, surtout ses premiers films, c'était très mal considéré. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de mépris, c'est-à-dire oui, c'est vraiment un truc pour gamin. Je vois pas trop ce qu'il fait, ce bonhomme, à nous faire des films comme ça et à essayer de nous faire croire que c'est pour les adultes. Donc, il a souffert de ça. Et je pense que c'était une manière de rentrer un peu dans l'art et de dire ouais, ben non, moi je veux faire bouger les choses et regardez, j'ai fait La Planète Sauvage, ben, vous voyez, c'est pas un film pour les enfants. En tout cas, pas uniquement pour les enfants. Dans la devise de Laloux, il y avait aussi un côté technique, c'est-à-dire que pour lui, le cinéma, c'était des photos qui bougent. Donc finalement, le cinéma, on regarde une pellicule, hein, on passe image par image un fichier, ben, on voit effectivement 24 photos par seconde qui ne sont que des photos de la réalité. Pour lui, c'était finalement qu'une pâle imitation de la réalité. Alors que l'animation, pareil, hein, on voit 24 dessins, mais les dessins, on peut faire absolument ce qu'on veut. Donc pour lui, c'était plus intéressant, ou en tout cas plus riche, d'avoir 24 dessins pour une seconde, plutôt que 24 photos d'un comédien qui ne sont finalement, comme il disait, que des imitations, des pâles copies de la réalité. Voilà, c'est une façon de dire qu'avec l'animation, on peut peut-être aborder, illustrer, je dirais, une histoire de façon plus libre, plus folle, plus imagée, qu'en prise de vue réelle. Donc, quelque part, il avait plus de liberté, je pense. Il disait qu'avec l'animation, ben ouais, on pouvait faire plus de choses. Voilà. En fait, aujourd'hui, René Laloux est un peu oublié. Je dirais que... Donc c'est dommage qu'il soit oublié, mais on va pas pleurnicher là-dessus. Encore une fois, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, avec Internet, on peut tout retrouver. Donc je conseillerais à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à l'animation ou au cinéma, d'aller rechercher, de faire l'effort, d'aller voir les films de Laloux. On les trouve facilement en DVD, en Blu-ray, sur le net.
On n'a rien à perdre à part un peu de temps, la durée du film, je dirais, hein, à regarder un film de René Laloux, et on peut être très agréablement surpris, quoi. C'est-à-dire que il y a, malgré une patte comme ça un peu surannée, un peu qui a vieilli, il y a quelque chose d'encore très séduisant et riche. Encore une fois, des choses qui, à l'époque où Laloux faisait ses films, on n'en voyait pas des films comme ça. Il n'y avait pas ça. Donc ça vaut vraiment le coup, et je pense que c'est aussi aux générations, aux futurs animateurs, aux futurs artistes d'aujourd'hui, aux futurs cinéastes, de se plonger là-dedans et de passer le relais et de continuer à en parler. Et je sais que dans certaines écoles, on en parle. Il faut continuer. C'est-à-dire que lui et d'autres, hein, mais lui notamment, parce que sans des gens comme ça, je pense qu'on aurait vraiment un panel beaucoup moins large au niveau thématique abordée, genre de film, j'en suis persuadé de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça qui ne sont pas forcément connus, mais qui laissent une telle trace que, indirectement, ils changent la face du, pas du monde peut-être, mais... De l'art. De l'art. Du cinéma en l'occurrence, mais de l'art.